Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Power Trade Investissement, la chaîne des investissements. Alors aujourd'hui, on va voir ce qu'il se passe sur les marchés et on va commencer par le CAC 40. Rappelez-vous, je vous avais tracé ces deux trends verts et je vous avais dit qu'on allait très certainement venir s'appuyer dessus à un moment donné. Je ne pensais pas que ça viendrait s'appuyer aussitôt d'ailleurs, mais c'est un petit peu ce qu'on a fait puisqu'on a perforé hier, hein, vendredi, ce trend pour pratiquement toucher le deuxième trend. Et voilà, donc maintenant on va essayer de voir qu'est-ce qui peut se passer et pourquoi ça se passe comme ça, tout simplement. Mais déjà, dans un premier temps, on va voir que nos algorithmes prévoient un point de retournement sur le CAC 40 à 7323 points lundi si ces points étaient touchés. Alors ça, c'est un premier point. Deuxième point, on va essayer d'aller un peu plus loin pour voir exactement qu'est-ce qui se passe. Alors qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, nous avons un trend qui est super haussier. On a là un joli canal haussier depuis pas mal de temps. D'ailleurs, ce canal a commencé début octobre, hein. Donc on a donc déjà une bonne petite période de hausse qui s'est confirmée de jour en jour. Alors ça a oscillé, hein, bien sûr, c'est une belle oscillation. Et là, aujourd'hui, on dirait aussi que les cours tendent à venir toucher le bas de ce trend du canal haussier. Donc tout ça n'entrave pas la tendance haussière pour l'instant que le CAC 40 avait commencé depuis octobre. Nous avons un joli canal haussier depuis le début octobre. On voit que ce canal oscille, hein, on a des oscillations, mais toujours haussières. On peut imaginer que les cours vont venir toucher le bas du canal haussier et puis peut-être rebondir dessus. Alors ça, pour l'instant, on n'en est pas sûr, mais ce qui est certain, c'est qu'on a une très belle dynamique haussière et que quand on a tapé les plus hauts, faut pas oublier que ces plus hauts, si on regarde un petit peu plus loin, ce qu'on va faire, voilà, ces plus hauts étaient ici déjà en fait en 2022, au mois d'avril 2022 je crois, déjà des plus hauts qui ont été touchés. On est revenu titiller un petit peu ces plus hauts sans pouvoir casser. Cependant, je pense personnellement qu'à la moindre occasion où des bonnes nouvelles se présenteront, nous chercherons à franchir ces plus hauts. Les plus hauts sont souvent des points que les marchés souhaitent tester et puis finalement ils finissent par céder et on arrive à souvent franchir des plus hauts. Et de toute façon, c'est des buts ultimes des marchés, c'est toujours de faire des plus hauts, des plus hauts, des plus hauts. Mais quand? Le problème, c'est le timing. Alors là, on redézoome un petit peu et on va regarder une chose que je vous avais déjà montré il y a déjà pas mal de temps, c'était Ichimoku. Quand on regarde Ichimoku, Ichimoku est toujours très très acheteur. On voit qu'il est acheteur depuis cette période-là, qui est en fait une période d'environ 3 mois, et on observe que la Tenkan, la Kinjun sont toujours très bien orientées, qu'on est très loin du Kumo. Souvent, je vous ai dit à chaque fois sur Ichimoku que quand on est loin du Kumo, on cherche à y revenir. Et bien là, on a à peu près cette situation, hein, la même situation qu'on avait ici, où on est revenu sur le Kumo pour le toucher un pile poil avant de rebondir. Alors c'est peut-être une marche, un palier qu'il faudra franchir, venir toucher ce Kumo pour rebondir. Sans compter que les cours, tant qu'ils évoluent, le Kumo lui continue à monter. On voit que le Kumo, hein, si on se déplace ainsi, on peut voir qu'on peut très bien osciller ici et revenir rebondir sur les 7200 points, quelque chose du genre. C'est une possibilité. Ceci dit, on a beaucoup de mauvaises nouvelles en ce moment, donc on doit rester très prudent. Et pour ce faire, on va enlever Ichimoku, on va mettre la moyenne 2 jours, 12 jours, et on voit qu'on vient de la franchir. Donc on a eu un signal de vente sur notre système, on a un signal de vente sur la moyenne 2 jours, 12 jours, on a ici sur Directional Index Movement un signal de vente, donc on a beaucoup d'éléments négatif graphique qui nous montre que ici on a un petit double top, hein, aussi si on peut aussi l'agrandir un peu mieux vous le montrer. Voilà, on voit ici quand même qu'on a une figure en double top. Faudrait pas qu'on casse tous ces plus bas qu'on a ici, hein, faudrait pas qu'on casse les 7162, hein, quelque chose du genre. Vraiment, si on cassait ça, c'est-à-dire que si en gros lundi on avait une séance de baisse encore,
on aurait certainement des marchés qui iraient beaucoup plus bas. Et donc, moi, perso, aujourd'hui, j'en sais rien. Donc, depuis quelque temps, tous les jours, hein, tous les soirs, je vous dis que je ne fais rien, j'achète rien, j'achète rien, parce que les marchés n'offrent aucune visibilité à l'instant T. Donc, on va retirer ces deux moyennes et on va mettre la bande Bollinger. Et on voit que la bande Bollinger, vendredi, elle a été attaquée. C'est clair qu'on est rentré dedans et on est revenu, hein, puisqu'elle a propulsé les cours, puisqu'on avait fait un gros gap. Elle est revenue à l'intérieur de cette bande Bollinger. Donc on a deux solutions. Soit on rebondit, de toute façon il n'y a pas 36 solutions, ou soit on continue à l'attaquer. Et donc là, on va avoir besoin de cette séance de lundi, voire lundi-mardi. Deux séances au moins pour observer qu'est-ce qui va se passer. Alors nous, on a notre garde-fou, hein, puisqu'on a un algorithme qui nous donne des signaux et on ne se pose pas de questions. On va suivre nos signaux tout simplement. Mais on a aussi un portefeuille action et on se doit d'observer tout ce qui se passe sur les marchés pour éventuellement compléter nos positions à l'achat sur certains titres. Là, aujourd'hui, cette configuration sur le CAC 40 ne m'incite aucunement à acheter quoi que ce soit. Faisons un tour du côté du DAX. Et bien sur le DAX, on a la même configuration. Je ne vais pas vous refaire le graphique détaillé, puisque moi, ma spécialité, ce n'est pas le DAX. On travaille sur les indices. Et sur l'indice, lui, le DAX nous donnerait un signal d'achat à 15 605 points si ces points étaient touchés. Et je pense qu'on en est très loin. Et donc il est très certain que lundi, nous n'ayons rien à faire d'autre sur le DAX qu'à rester en position vendeuse. Le S&P 500, lui aussi, est donc très vendeur. On a une très très forte pente sur le S&P 500. On a évidemment retouché dans cette descente aux enfers. Là, on a retouché ce trend qui était à l'époque, hein, je l'ai laissé, ce trend qui était ce trend à casser pour éventuellement imaginer une forte hausse du S&P 500. Donc on a eu une hausse, mais ça s'est redégonflé et évidemment on est revenu toucher ce trend qu'on va finir par enlever parce qu'il n'aura plus aucune utilité en soi. Sur le S&P 500, on va garder nos pauses vendeuses hein, sur les futurs et il repasserait acheteur à 3985 points si ces points étaient touchés. Concernant le Brent, on a toujours ce mouvement baissier puisque nous avons la moyenne 2 jours, 12 jours qui a croisé à la vente et donc nous sommes toujours vendeurs sur le Brent malgré que cette courbe sur 12 jours a tendance à se retourner suite à la bougie de vendredi qui avale complètement la bougie de la veille. Donc, est-ce vraiment un retournement sur le Brent et que les cours vont repasser à l'achat? L'avenir nous le dira. Alors, à présent, faisons un petit tour du côté du compteur à pépette, comme à notre habitude. Alors, on voit que notre signal d'achat précédent nous a fait gagner 4 points, mais que notre signal de vente nous en donne bien plus à l'heure actuelle puisque nous gagnons 107 points actuellement sur le dernier signal de vente. Ce dernier signal de vente nous fait progresser à 1785 points de gagnés depuis le 03-06-2022. Pour arriver à ce résultat, nous avons effectué 28 trades gagnants et 27 trades perdants. Je vous rappelle que sur le CAC 40, le point est à 10 euros le point, c'est-à-dire que depuis le 03-06-2022, si vous avez suivi ces signaux, vous avez totalisé un peu plus de 17 000 euros de gains, ce qui n'est pas si mal. Par contre, je vous rappelle qu'on a subi des périodes très difficiles où ici, on avait eu 1, 2, 3, 4, 5, 6 signaux de perdants à la suite, et que ici nous avons eu aussi 4 signaux perdants de suite, et que dernièrement nous avons eu 3 signaux perdants de suite. Et donc, je vous rappelle pour ceux qui débutent sur les marchés dérivés que c'est pas tous les jours dimanche, c'est pas tous les jours la fête, et qu'il faut avoir assez de liquidité, assez de cash pour pouvoir suivre un système pareil.
mais néanmoins on voit qu'on gagne pratiquement en moyenne une fois sur deux et que les gains sont quand même relativement conséquents. Je vous encourage à la plus grande prudence si vous traitez sur les marchés dérivés et essayez d'utiliser aussi au maximum que possible des stops pour protéger vos gains. Sur les futurs concernant le DAX, nous avons eu un peu plus de chance dernièrement puisque nous avons 3 trades consécutifs gagnants, mais par contre aussi sur ce marché nous avons eu juste avant 4 trades négatifs et ensuite un trade positif, mais aussi avant encore 4 trades négatifs. Donc tout ça c'est quand même très difficile psychologiquement souvent à tenir des positions quand on a des pertes, et ce système que je vous mets en ligne tous les soirs effectivement parfois vous fait perdre de l'argent consécutivement, parfois 4 fois, 5 fois, on a des occurrences hein, qui peuvent aller jusqu'à 7 fois, 8 fois de suite, ça c'est très très rare, mais sinon vous voyez là par exemple depuis le 24-10-2022, ces signaux nous font gagner 2273 points avec 13 trades gagnants et 12 trades perdants, c'est-à-dire qu'on équilibre à peu près en moyenne le nombre de trades qu'on a de gagnants ou de perdants. Alors évidemment, par contre, on a parfois toute une série de trades perdants qu'il faut savoir encaisser et qu'il faut surtout être capable d'encaisser. Donc ça demande d'avoir certaines liquidités qui sont pas forcément dues à tout le monde, et surtout il faut avoir un mindset d'une personne qui a confiance en ce système hein, et qui aussi ne cherche pas à superformer le système en lui-même. C'est-à-dire qu'on là, dans cette configuration-là, on joue uniquement les points que je vous donne tous les soirs, et puis point barre, on ne fait rien d'autre. Par contre, je conseille, quand on commence à avoir des points importants, de mettre quand même un stop pour protéger un minimum de points, même ne serait-ce que 5 ou 10 points. Et après, forcément, quand le système passe acheteur ou passe vendeur, eh bien, on s'exécute, et c'est souvent le plus dur à faire quand on a des pertes. Parce que quand on a des gains, tourner, couper et tourner, c'est très facile, tout le monde peut le faire. Mais quand on a des pertes, ça devient de plus en plus difficile, et souvent la nature humaine fait que on ne souhaite pas forcément obtempérer, et puis la catastrophe arrive systématiquement. Je vous rappelle que sur le DAX, le point est à 25 euros le point. Donc en l'occurrence, si vous avez joué ce système depuis le 24-10-2022, 2273 points multipliés par 25 points, vous avez gagné 56 825 euros de gains. Donc c'est pas une petite somme, hein, c'est quelque chose de conséquent. Mais n'oubliez pas, n'oubliez jamais tous les trades difficiles qu'il a fallu endurer pour en arriver là. Et je rappelle encore pour ceux qui regardent ces points tous les soirs et qui se disent ben, pourquoi pas moi, attention, tout le monde n'est pas forcément capable d'encaisser les moments difficiles pour arriver à gagner effectivement ces sommes que je suis en train de vous montrer actuellement. On l'a vu hein, tout à l'heure sur le graphique, le S&P 500, lui, il est bien vendeur et donc il nous fait gagner 52 points sur le trade en cours. Même chose hein, sur le S&P 500 qui, là, pour moi, on commence depuis le 2 décembre. J'avais jamais testé nos algorithmes sur le S&P 500, donc on dirait plutôt en phase bêta test de notre système sur le S&P 500, mais il a l'air de fonctionner aussi bien que sur le CAC 40 et le DAX, hein, en tout cas en compte tenu du nombre de trades gagnants et perdants. Parce que c'est quand même très difficile d'opérer avec un système qui nous fait perdre énormément plus de fois qu'il nous fait gagner, même si quand les fois où on gagne énormément plus en volume d'argent, psychologiquement c'est assez difficile à tenir. Notre système, lui, contrebalance, hein, on gagne un coup, on perd un coup, en moyenne c'est un petit peu ça, sauf que globalement on gagne toujours plus
qu'on perd, puisque actuellement le S&P 500 nous fait gagner 270 points. Sur le Brent, comme je vous l'ai montré tout à l'heure et comme je vous le montre tous les soirs, le Brent, lui, nous le travaillons avec une moyenne 2 jours, 12 jours, tout simplement. C'est ce qu'il y a vraiment de plus simple. Tout le monde peut travailler avec une moyenne mobile, qu'elle soit de n'importe quelle nature, mais j'ai remarqué que la moyenne 2 jours, 12 jours marche sur pratiquement tous les marchés, et notamment elle marche très très bien sur le Brent. Donc on utilise cette moyenne, pas forcément pour traiter le Brent en lui-même, parce qu'il y a longtemps que je ne traite plus le Brent, mais pour avoir un effet quantificatif sur notre capacité à traiter l'action totale. Donc ça nous permet d'avoir une idée de où va le Brent, et comme Total est une valeur pétrolière, elle suit le Brent très généralement, et donc ça nous permet de pouvoir alléger nos positions quand c'est le moment. Et maintenant regardons l'ensemble de tous les indices qu'on traite, c'est ces quatre vecteurs où nous travaillons sur les marchés futurs. L'ensemble de ces quatre vecteurs nous donne 4335 points depuis 1er juin qu'on a tenté cette expérience. Donc, ce qui est intéressant de voir dans notre système, c'est qu'on a en fait créé un petit panier d'indices sur les marchés futurs. Ce qui fait que parfois, vous pouvez avoir le Brent qui vous fait gagner de l'argent, ou le S&P 500 qui vous fait gagner de l'argent, pendant que le CAC 40 vous en fait perdre. Donc quelque part, on peut lisser notre résultat, ce qui peut être un peu plus sécure en fait. Et puis aussi, on peut se permettre, en général, d'avoir de l'avance sur le DAX et sur le CAC 40 en traitant le S&P 500, puisque en général les marchés futurs européens suivent les marchés américains. C'est pas le cas dernièrement, et donc justement c'est très intéressant d'observer on gagne beaucoup plus sur le DAX actuellement que sur le S&P 500, qui nous a donné pas mal de faux signaux. Et donc on va regarder maintenant le graphique justement de notre performance au niveau indiciel. Donc on voit qu'on avait une belle phase haussière, on a un canal haussier de notre performance, et notre performance était somme toute très très bonne. Depuis quelques temps, nous latéralisons, et ça c'est aussi très usant pour un trader de latéraliser, mais c'est quand même beaucoup moins stressant que d'avoir un drawdown très très bas où vous avez des grosses pertes pendant des semaines, des fois des mois, et ça, latéraliser, c'est quand même pas quelque chose de si terrible que ça. D'autant que notre performance a tendance à s'apprécier. Donc en fait, globalement, comme nous sommes vendeurs sur tous les marchés, si les marchés continuent à baisser, nous allons casser ce trend par le haut. Et donc c'est une façon aussi de couvrir notre portefeuille action, tout simplement. C'est quelque chose qui se fait traditionnellement chez les professionnels, mais vous pouvez aussi ne pas faire de marché action et puis performer uniquement avec ce système. Notre système est un petit peu conçu pour éviter les énormes pertes, et surtout l'erreur que font en général les traders, c'est de s'obstiner dans un sens. Comme vous le voyez, nous avons aucun état d'âme à alterner entre le sens acheteur ou vendeur. On n'a pas de biais préconçu à se dire voilà, moi je suis acheteur, je suis sûr que le marché va monter, je suis sûr que le marché va baisser. Non, moi je ne suis sûr de rien, je suis uniquement sûr que mes algorithmes fonctionnent relativement bien, et donc je me fie à eux qui en savent plus que moi en fait, puisqu'en fait ces algorithmes, ils calculent les forces du marché, ils calculent les distances entre les bougies qui nous permettent de déterminer où est la force principale, où elle va, est-ce qu'elle va vers l'achat ou vers la vente, quelle est la vraie tendance, et nous tournons notre veste à chaque fois et nous nous mettons dans le sens du marché, parce qu'il ne faut pas pisser contre le vent, je vous le rappellerai
très certainement, très souvent, parce que pour l'avoir fait de multiples fois, je sais que c'est pas ça qu'il faut faire. Les enfants, n'oubliez pas de rester dans le sens du marché, d'essayer de trouver un sens. Et une fois que vous êtes dans le bon sens, ne coupez pas vos pauses pour prendre 3 francs 6 sous, parce que ensuite ça sera très difficile de re-rentrer dans le marché, et à force de rentrer et de sortir d'un marché, vous prenez des portes de saloon dans tous les sens. Et le conseil que je puis vous donner pour avoir fait toutes ces erreurs, c'est de rester dans une position quand elle est bonne et de quitter une position quand elle est pas bonne. Les amis, à présent, regardons un petit peu notre tableau Excel afin de voir quelles ont été les variations de notre portefeuille action. Notre portefeuille action n'a pas bougé, on n'a ni acheté ni vendu quoi que ce soit, comme je vous le répète tous les jours depuis que nous latéralisons sur les marchés futurs. Sur les marchés actions, moi perso, je ne vois pas grand chose à faire, et comme nous avons peu de liquidités, puisque nous avons pas mal acheté dernièrement, nous attendons que la tempête passe et nous observons quelles opportunités pourraient se présenter à nous prochainement. Pour l'instant, je vois rien à faire. Je vous cache pas que je préfère rester attentif et simplement à observer que d'opérer sur les marchés actions. Nous avons uniquement notre ligne espèce là en blanc qui a bougé, puisque nous avons perçu j'avais oublié qu'on avait une autre ligne sur une autre de mes sociétés, des actions Microsoft, et donc j'avais oublié de porter le dividende que nous avons perçu concernant Microsoft. C'était pas grand chose, parce qu'on a une petite ligne, c'est 16 € et quelques, donc ces 16 € ont été portés sur la ligne espèce. C'est donc la seule chose qui a bougé sur notre portefeuille. Notre portefeuille donc repère du terrain, c'est bien normal puisque les marchés baissent. Nous affichons néanmoins quand même 6,27% de hausse depuis le 1er janvier 2023, et donc depuis le début de l'année, nous totalisons 46 921 € de gains. Voilà les amis, je pense vous avoir tout dit. Soyez prudents, je pense que les marchés pourraient rester baissiers encore quelques temps, notamment aux États-Unis. Il y a des mauvaises nouvelles, on a l'inflation qui reste tendancieuse, on ne sait pas jusqu'où les taux pourraient monter, etc., etc. Il y a énormément de points, de questions, on va dire, sans réponse, et donc, eh bien, dans le doute, on s'abstient. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end, et à très bientôt les amis.